président, pardon. Dans le cherché, mais nous on voit être raide ça. Bonjour, bonsoir, fatigue et son magri, c'est gros salutation pour vous. Ça fait nous vraiment plaisir parce que vous regardez la vidéo nous et nous souhaitons que tout le monde en forme en bas grâce, bon Dieu, ou même tout qui regardez la vidéo nous pour la première fois. Gros salutation pour tout et nous souhaitons que vous en forme. Et puis, nous avons bloqué 11 jours qui supportent le travail là. C'est regarder à droite, pèsez le bouton subscribe, l'objet et abonnez si le téléphone en français. Ou un petit cloche pour être retiré, sous personnalisé, mettez sous tout. Est-ce que vous mettez sous tout un petit cloche pour ces petits oreilles qui étaient là? Ça veut dire YouTube à vous dire. Chaque lundi, nous mettons une nouvelle vidéo. Nous pas fait pendant pile en entrée directement dans l'actualité. Président, depuis l'aime pour une nouvelle là, je suis plate à terre, cassé, blessé, indigné. Je me pose tête ma question, toute qualité question. Pour contre moi, ma pensée, je vous dis, je me sens besoin de parler avec le président. Besoin de parler avec vous pour me dire merci, président. Merci pour le rêve que vous avez gagné pour Haïti. Pour le courage de tout. Il faut me dire merci pour le bel exemple que vous avez tracé pour toute une génération. Vous démontrez un pile de jeunes femmes et de jeunes garçons une façon pour vous camper. Ou bien nous force. Haïti a besoin de ça. Malheureusement, c'est dans la mort plus de monde vient nous clair. Ça qui t'a parlé Tintin, yo paye. Ça qui pas t'intéressé, yo posé pour yo écouter. Le monde choqué. La nation posternée. Sacrifice que vous faites, vie que vous baillez pour croyance ou non, yon Haïti mieux, ça n'a pas de prix. Président, vous mettez quoi? Haïti réveillé. Président, n'a bon. Je dis à Haïtien réveillé. Président, nous ne pouvons pas perdre la bataille. Président chéri, vous comprenez Haïti, vous comprenez à toute contradiction qui gagne là-dedans. Vous pas de paix dénoncer, ça nous tout nous a dit tout bas. Vous pas de paix affronter, ça cap détruit nous depuis l'indépendance. Vous arrivez dans un problème. Vous avez réagi. Yo krasé ou à katouche. Mais y'a peuple à calé. Peuple en colère. Peuple à vexé. Mais peuple à comprendre. Peuple à mettre yo tout sous bonne touche. Faut que l'espoir bougeonne. Faut que tout le monde nous compte. Nous nous réorganiser et puis avancer ensemble. Main dans la main, nous tous ensemble.
ka éteindre soleil là. Yo pap ka camper de l'eau. Yo pap ka touyer tout le monde. Rêve la continuer faire chemin. Bataille là. Bataille là pap camper. Nous même haïtiens natif natal, petit pays là. N'a pas dit pardon parce que nous comprenons que Haïti est perdu. Haïti a perdu. Haïti a perdu un fils, un de trop, un géant. Mais un lion ne meurt jamais. Il dort. Jovenel, mon frère, repose. Depuis les derniers présentations qu'on fait, il y a trois nouvelles arrestations qui sont effectuées. Il s'agit de deux policiers, Bonnie Grégoire, Clifton Hippolyte et un autre citoyen qui est Dominique Covin. Dominique Covin était présent dans toute réunion de planification assassinat président Béria et réunion ça a été faite la caille Covington qui était arrêté déjà. Et toute information ça a eu confirmé nos collecteurs après analyse déclaration à Sayan. Nous présentons nous là Dominique Covin qui sous contrôle la police et en détention. Après ça, la justice a lancé 8 mandats d'amener les deux là-dedans qui sont déjà exécutés. Nous avons un mandat Mario contre Mario Antonio Palacios. Palacios, c'est un assaillant qui en fuite, qui est en cavale. Nous avons un mandat contre un certain Ascar Joseph Pierre, c'est un ancien diplomate qui a un rôle pour lui recevoir à sa yon, soit dans l'aéroport, soit dans le poste frontalier. Information qui est sur lui après mandat, monsieur qui est un réfugié aux États-Unis, il nous est en route à celle et nous demander autorité judiciaire aux États-Unis pour collaborer avec nous pour être capable d'appréhender l'élément ça. Là, on doit présenter l'auteur, mon type dangereux, qui était exécuté, qui t'a suivi, commandité, et opération ça. C'est le fameux Badio Joseph Félix, que l'on a cherché, et la police m'a dit, PNH l'a demandé, collaboration toute population, hein, pour nous capables le plus vite possible, mettre l'examen en bas. Mandat contre Joseph John Joel. Tout le monde connaît, nous t'ai annoncé déjà, au même titre que Rodolphe Badio. John Joel Joseph, c'est un auteur, c'est un participant, c'est un planificateur assassinat président Béhier. N'a pas cherché Gordon Fenil Désir. Monsieur Sayo, photo Sayo, c'est des mondes que nous gagnons sous contrôle, dont Denia c'est couvert. Nous avons arrêté 26 personnes. Et parmi là-dedans, c'est tout assaillant que nous avons présenté déjà. Nous avons l'issue, nous n'avons pas besoin d'aller dans l'issue. 3 assaillants qui étaient tombés. Et il y a pile l'autre monde que des épisodes à chercher. Nous fouillons 13 résidences. Et l'important pour me citer là, c'est résidence, une résidence John Joel Joseph. 3 résidences Joseph Félix Badjo. 1 résident
résidence Rinaldo Corvent. Une entreprise qui appartenait à la famille Jean, un autre hôtel qui est le Maxime Boutique Hôtel, un autre domicile de John Joel Joseph qui est en 83, et un autre hôtel qui est le Villa Rose Pelgrand 2. En dans Kaysayo, en dans résidence, nous saisissons un paquet d'examens avec l'autre matériel que nous allons citer pour nous là. Nous jouons dans 13 résidences. 45 fusils, parmi lesquels il y a un sésame la police. 14 pistolets qui sont dans le sésame la police que nous retrouvons. Nous retrouvons des centaines de cartouches de tout calibre. Nous jouons un drone, 3 grenades et des gilets pare-balles. Sous plan administratif, l'inspection générale a déjà réalisé 45 auditions et 23 mesures conservatoires que vous prenez à l'encontre de policiers, dont 7 qui placés en isolement. Bien entendu, nous gagnons des 7 policiers, nous gagnons Dimitri Erard, Bonnie Grégoire, Clifton Hippolyte, Jean-Charles Lely, Conrad Bastien, Fontus Prénor, Gentil Hubert. Dans le cadre de nous saisissons 263 et cartouches de calibre 40, 96 cartouches calibre M1, 72 30, 24 cartouches de calibre 38, 6 walkie-talkie, 1 culasse, 1 drone et bon, les cités ça déjà. Pour finir, Braldi, rapidement, nous jouons en pile auteur physique, nous travaillons sur auteur intellectuel, l'enquête a continué avec un pile persévérance, la police a mis des moyens avec en coordination, collaboration avec d'autres agences internationales, dont le FBI et l'Interpol, et nous travaillons sur pour nous chercher qui est-ce qui était bail corps pour faire toute grosse opération ça. Nous connaissons opération sortie dans le recrutement des militaires colombiens à partir des États-Unis. Nous sommes entrés ici, un petit groupe, pour leur venir entrer, ça veut dire qu'il faut que les corps pour faire le financement ça. Il y a une infiltration dans la police là. Pour que tu aies un corps pour faire ça. Gagner beaucoup de monde, c'est City You. Tu as un corps, tu payes les gens, chaque nègre, tu as un montant pour te toucher. Tu as des contrats que tu as signé avec mon pour un temps. Donc ça veut dire, tu as un financement avec nous continuons à faire recherche pour nous joindre la compagnie ça, Worldwide Capital Lending Group. C'est lui qui t'a collecté le corps pour bailler. Parce que ça non. Information là. Nous en phase pour nous exploiter tous les matériels que nous avons saisis pour nous capables de retracer ou remonter à auteur intellectuel assassinat ça. Nous baillons la population garantie que la police là déterminée pour le faire travail là. Et c'est la police là qui a mené enquête là, avec les enquêteurs spécialisés de la DCPJ, qui ont 25 ans, 26 ans d'expérience, nous avons manqué matériel technique, technologique avancé. Heureusement, nous avons appui de d'autres pays qui ont avancé avec nous dans l'enquête là. Nous avons 3 ressortissants étrangers qui vivent aux États-Unis qui essentiellement participent dans le financement. Nous demandons FBI, l'autre équipe qui travaille avec nous, pour aider nous à retracer les gens. Parce qu'en Haïti, ils ont financé, ils ont patronisé. Et l'opération ça, nous gagnons pour travailler avec les Américains pour être capables de mettre les gens sous contrôle, retracer les contacts que nous gagnons pour faire ça. Et finalement, pour finaliser l'enquête là,
remettre lui ben la justice pour que la famille présidentielle t'ajoute justice, pour que le pays t'ajoute justice. Merci.